les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour du Dragon Ball Legends. Oh, souvent sur mes lives, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander quel est le perso que je préfère dans le jeu mobile Dragon Ball Legends. Eh bien, je vais y répondre, même si certains et certaines d'entre vous le savent déjà, il ne s'agit pas d'un perso, mais des personnages, c'est-à-dire la carte tag Goku Blue Vegeta Blue LF qui était sortie lors de la célébration Legends Festival 2021. D'ailleurs, attention, préparez vos cristaux, le prochain Legends Festival 2022 arrive dans 3 mois et demi, donc préparez bien vos cristaux, ça arrive vite et je tiens à rappeler qu'il s'agit de la plus grosse célébration de l'année sur le jeu Dragon Ball Legends, donc voilà, préparez-vous. Donc attention également à ce que je dis pour les mauvaises interprétations, je ne dis pas qu'il s'agit de la carte la plus forte du jeu, c'est pas ça, je dis simplement que c'est la carte avec laquelle je prends le plus de plaisir, tout simplement dans sa réalisation, le travail qui a été effectué, mais également le Legendary Finish, vraiment spectaculaire, repris du film Dragon Ball Super Broly. Donc voilà, j'avais envie de me faire kiffer avec cette team accompagnée de Super Vegeto Ultra, mais également le Vegeto Blue, et j'ai mis 3 caps Zenkai pour le tag Goku Blue Vegeta Blue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les amis, on va partir en PVP, max de pouces bleus en mode Genkidama sur cette vidéo et n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire et me dire quelle est la carte que vous préférez. On est parti, yeah. Première game de cette vidéo, très bien, il y a le tag et tout ça, il y a même Vegeta Ultra. Bon bah nous, on va partir comme ça avec ces trois là, alors faut faire attention parce que le tag pour moi, hein, c'est la carte la plus forte du jeu, Vegeta Ultra qui arrive juste après, là va falloir faire vraiment attention. Allez, ouais, du coup ouais, voilà, très belle team également en face. Allez, voyons voir un petit peu du coup comment ça va se passer avec la carte tag Goku Blue Vegeta Blue qui est sortie tout de même au Legends Festival, donc qui va bientôt avoir un an, hein, mine de rien, ça passe tellement vite, cette mécanique était vraiment incroyable. Ok, il reste sur le map, il attaque pas. Ah là là, bien, bien, il a bien tempo, il a bien tempo. Ok, là il met le tag. Ok. Voilà, comme ça, le VB, il va tanker. Ça tank. Faut que je fasse gaffe, parce que dès qu'il va switch sur la C18, ça va me faire mal. Ok. Ça a lagué un poil, mais c'est pas très très grave. Ok. Il a fait tap attaque. Ah là 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 là, je suis pas bon dans le timing. Je suis pas bon dans le timing sur cette première game. Allez, on va essayer de se concentrer un minimum. Voilà, hop, le tag. Ok, le tag, il encaisse un minimum. Ok. Ok, là-dessus, je vais mettre le VB. Compliqué, ce début de game, hein, j'avoue. Très, très compliqué. J'ai du mal à comprendre son gameplay. Voilà, hop, allez. Voilà. Ish. Voilà. Donc là, on va reprendre une strike. Voilà. Récupère 5 de ki. Voilà. Hop. Ok, parfait. Il a mis le Vegeta Ultra. Ok. Ah là là, perfect dodge encore. Ok, allez, attention. Très bien. Très délicat à jouer. Hein. Très délicat, parce que là, je peux pas mettre le tag n'importe comment, tu vois. Avec le Vegeta Ultra... il pourrait me le one-shot du moment que je ne switch pas sur le Vegeta, tu vois. Ah, ok, là, c'est bon. Là, j'ai été bon dans le timing. Allez. Voilà. Let's go. Parfait. Allez, ne me le contre pas. Voilà, c'est ça qui est difficile avec le tag, comme il est de couleur violette. Contre le Super Vegeta, faut faire attention. C'est bon, ça passe. Faut faire attention parce que il peut me le one-shot direct. Hein. En revanche, dès que je vais switcher sur Vegeta... là, je ne serai plus inquiet parce que le contre-type va s'inverser. Et du coup, c'est moi qui vais faire mal sur le Super Vegeto. Allez. Ok. Voilà. Voilà, parfait. Allez. C'est bien. La tendance de la game, là, c'est inversé. Voilà, on fait ça. Bim. Ok, je pensais pas qu'il allait mettre tout de suite Super Vegeto. Voilà. Là, j'ai fait le main. Ah, il avait la strike. Ok, très bien. Ish! On a été bon, là, dans le timing. On a été très bon, mesdames et messieurs. Très, très bon, là. Ok. Voilà.
Voilà. On va faire ça, la verte, comme ça, il n'y a plus de contre-type s'il met le cyborg. Parfait. Donc là, c'est one shot. Voilà. Là, ce qui est vraiment très fort avec le Super Végéto Ultra, c'est que quand tu mets la carte verte, il n'y a plus l'avantage type pour l'adversaire. Là, c'est bim. À la cuisine. Tartine Nutella. Voilà, direct. Ok, très bien. Il a fait la strike. Non. Non, non, monsieur. Donc là, on va basculer sur Vegeta. LF. 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 Regardez les dégâts. LF. Oh non, 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 non. On pouvait pas mieux commencer cette première game dans cette vidéo avec le LF du tag. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment très fort. Avec les cartes tag, tu inverses le contre-type. Et là, voilà. Voilà, tu le vois, Legendary Finish. Spectaculaire. Vraiment magnifique, comme j'ai pu le dire. Il est super bien réalisé. Voilà, pour un jeu mobile, quoi, les gars. Dites-vous, ça, c'est un jeu mobile. Moi, je trouve que graphiquement, pour un jeu mobile, c'est quand même incroyable. Et du coup, je suis content qu'on ait fait cette première game avec un LF. Deuxième game avec un Badak Zenkai 1. Bon, ça va, franchement, le Badak, il m'inquiète pas trop. Bah, du coup, je vais prendre ces trois-là. On est parti. Il y a également un Goku SSJ 3 3 étoiles. Ça va. Par contre, quand il commence à faire le main et qu'il a la jauge unique de rempli, il faut faire gaffe. Et là, voilà. Là, clairement, faut que je fasse attention juste au Super Végéto Ultra sur mon tag. Quand j'ai Goku face au Super Végéto, c'est pas ouf. Voilà. Clairement, c'est pas ouf. Par contre, quand c'est sur le Végéta, comme on a pu... Voilà. Bon, bah, voilà. C'est rapide aussi. Ça aussi, c'est pas ouf pour lui. Tu vois, pour moi, c'est bien, mais pour lui, c'est pas ouf. Incroyable. Bon, bah, on prend. Troisième game. Alors là, par contre, là, c'est étoilé. Là, il y a des étoiles. Le Végéto Blue, le Migaté, tout ça. Bon, je vais prendre ces trois-là. Faut faire gaffe. Il a également le Végéta Zenkai, 14 étoiles. Lui, c'est chiant parce que quand il fait le main, il va ensuite avoir l'attaque ultime. Il te lock. Tu peux pas switch et tout. Là, c'est quand même une grosse team qu'il a également. Donc là, par contre, là, faut pas bégayer. Hein. Voilà, on va essayer de jouer correctement. Peut-être qu'on va se faire foudroyer. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. Et je tiens toujours à préciser que les games, je les fais à la suite. Hein. Vous regardez le nombre de points. Ce sont des games faits à la suite, les gars, dans les vidéos. Hein. Voilà, au cas où, si y en a, ils se demandent, est-ce que je prends certaines games? Non, je tourne la vidéo et puis c'est parti. On voit un petit peu ce que ça donne. Allez. Let's go. J'ai pas pu esquiver. Ça m'embête, j'ai pas pu esquiver. Bon, ça va que le tag, justement, type violet, il a bien tanké là-dessus. Allez. Parfait, ça. Hop. Donc là, Migaté. Ah non, il a pas mis Migaté. Je voulais faire un bike cover. Ok, très bien. Oula, mais il joue bizarrement. Ah ouais. Ah ouais. Oh, les dégâts. Ah ouais. Ok, allez. Ok. Ouf. Là, ça fait mal. Là, on entend que ça fait mal. Il a pas l'air de vouloir mettre le Migaté. Ok, il a mis le Végéta. Pourquoi pas. Hop. Le tag. Ish. Voilà. Ish. Ok. Il a bien résisté quand même, le Végéta. En plus, il se soigne du coup. Oh là là, il se soigne encore. Waouh, 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 waouh. Déjà qu'il a 14 étoiles. Ok, parfait. Alors ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Parce que là, ça ramène une spé. Et du coup, je vais quasiment récupérer ma jauge d'esquive. Ah, dommage qu'on ne l'a pas one-shot. Et là... Ah là là, dommage, j'ai pas pu esquive. Allez. Voilà. Dommage, j'ai pas de 52 ki, sinon j'aurais fait la spé, il était mort. Ok, parfait. Je reste une rush. Putain, mais il met pas le Migaté en fait. Je me suis dit, il va mettre le Migaté, donc je vais raser une rush, tu vois. Et même pas. Alors que j'avais fait le main et tout ça, tu vois. Bon, je comprends pas trop sa façon de jouer. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je me suis dit, j'ai fait le main. Il va se dire, je vais faire l'attaque, tu vois, et ça va tuer son Végéto. Donc il va balancer le Migaté, mais non, même pas. Ok, très bien. Bon, déjà, un en moins. Un en moins. Voilà. Ok. Ich. Voilà. Ok. Il m'est Migaté. Ouais, je sais. Il fait aucun switch.
Franchement, je sais pas. Je pensais il allait mettre pour la cover ou quoi. Ok, très bien. Ok, là, ok. Alors là, attention. Ok. Voilà, moi je te mets les covers. Hein. Moi je te mets les covers, monsieur. Chouette ! Oh, 994. On est pas mal là quand même. On est pas mal dans cette game. Hein. On est quand même pas mal là, j'ai envie de te dire. Ok. Cuisine, voilà. Allez, en face, on Migateke là. Ok, donc il attend avec Migate. Ok, il a déjà esquivé, c'est déjà une bonne chose. Ok. On va mettre VB. Comme ça, ça va tanker. Mais il joue vraiment bizarre. On va pas se mentir. Il y a des étoiles sur les persos. Enfin, sur ses persos. Donc ça fait des dégâts. Mais je comprends pas trop sa façon de jouer. Ok, c'est parfait là. Et là, on va même peut-être même pouvoir LF. On va peut-être encore pouvoir LF. Ok. Quitte pas. Quitte pas. Quitte pas. Hush. Et Legendary Finisher. Yes, parfait, 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 parfait. Parfait, voilà, le Migaté, je sais pas, en fait, le gars... Ouais, connexion instable. Le gars, je pense qu'il savait pas trop le jouer. On voyait, le Migaté, il osait pas le mettre dans la game et tout ça. Et là, il faisait pas grand-chose avec son Migaté. C'est vrai que Migaté... Bah voilà, quand tu tapes alors qu'il a sa Jojinu, que ça va faire des dégâts automatiquement. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir quelques notions pour savoir le jouer. C'est pas tout le monde en fait qui peut le jouer, ça c'est vrai. Hein. C'est voilà. Ok, et bah du coup, game suivante. Ok, là il y a du Migaté, il y a également les deux ultras. Bon, moi je vais prendre ces trois là, on est parti. Donc voilà, va falloir faire attention également à ce qu'on va faire dans cette game. Je pense que normalement, il va prendre ça, hein, Vegito, Migaté, Gogeta, voilà, sans surprise. Hein, voilà, j'aurais pas vraiment compris pourquoi il aurait pris, par exemple, le Gogeta free-to-play type violet, parce que Vegito Ultra, il te l'arrache, clairement, on va pas se mentir. Ok, très bien, et bah du coup, les amis, voyons voir ce que ça va donner pour cette dernière game. Hein. Et puis, bah comme d'hab, max de pouces bleus, les frérots, ça fait toujours plaisir. Allez. Yosha! Allez. Vegito Blue face à Vegito Ultra. Enfin, Super Saiyan. Hus! 930. Ah, 963. Ça commence mal. Ça commence mal. Ok. Très bien. Ok. Ok, il m'a mis une petite tempo comme ça. Ok, pourquoi pas. Ok. Parfait. Là, il n'y a pas de contre-type. Alors, faut que je fasse gaffe si jamais il met le Gogeta. Je vais faire des blasts. Il ne le met pas. Ok, je ramasse les Dragon Ball en même temps. Hein. Je continue à cogner. Ok. Je voulais continuer à faire des strikes et tout. Oh non! Oh non! Ça va tuer? Ouh, je m'en sors bien. Je m'en sors très bien. Ok. Parfait, allez. Ouh, la tempo là a été chaude. Hein. Il met Gogeta ou pas? Ah, il a mis Migaté. Ah bah, encore mieux. Encore mieux, il a mis Migaté. Allez, Migaté, tu prends ta tartine de Nutella avec de la fraise, ton Pimps et tu vas à la cuisine. Allez. Ça dégage. Non, j'étais un poil trop tard, ouais. J'étais pas dans le bon timing là pour mettre la verte. Dommage. Ok. Faut faire gaffe, hein. Faut faire gaffe quand même. Ouais, ok. Ça devrait pas tuer, mais il aurait eu genre une strike, une blast en plus. Je pense que ça aurait été chaud, hein. Je pense que là, ça aurait été vraiment très très chaud. Donc là, je le vois arriver. Strike direct. Voilà. Ish. Voilà. Là, on va faire mal. Là, on va faire mal. Là, normalement, on le kill. On le kill. Clairement, là, on le kill.
Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Ok. Hop. Comme ça, au moins, déjà, il a esquive. Ok. Il a également son Rising Rush encore. Donc, alors, attends. On va la jouer différemment. Voilà. Vu qu'il a déjà esquive, je vais Rising Rush tout de suite. Comme ça, il va le faire. Il va faire son Rising Rush, normalement. Yes. Ok. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de Rising Rush dans la game. Yes. 946. Oh, purée. Il a encore été meilleur que moi au Clash. Oh là là. Allez, je vais essayer de gagner avec je vais pas mettre le tag. Je vais essayer de gagner avec le tag. Faut vraiment que je vous montre le tag, la puissance du tag. Après peut-être que je vais perdre, hein, peu importe, mais voilà. Je vais quand même essayer de vous montrer la puissance quand on passe sur Vegeta. Ok, ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Allez la jauge. Voilà. Je vais faire l'aspect, ça va switch après comme ça sur le Vegeta. Et comme ça, je me retrouve plus à contre-type. Face à un Vegeta Ultra. Ok, il esquive. Et là, voilà, je tank. Là, je tank. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, ça tank. Voilà. Oh, par contre, attention, il a la verte. Donc là, la verte, ça risque de faire mal. Ah, et là, ça fait un peu plus mal. Ouais, ouais, ouais. Ça fait très, très mal même. En revanche, moi j'ai une verte également. Moi j'ai une verte également. Oh lolo. Oh les dégâts. Voilà. Voilà. Voilà le tag. Voilà le tag dans toute sa splendeur. Voilà le tag avec toute sa puissance. Voilà le tag. Pourquoi je le kiffe. Incroyable. Voilà. Le tag. Legends Festival en 2021. Ah bah ouais. Connexion instable. 2021. D'accord. Face à un super Vegeta Ultra sorti là. Là. Il y a quelques jours. Pour l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Bah je suis désolé, moi je prends du plaisir. Alors encore une fois, c'est pas la carte la plus forte du jeu, mais il y a quand même une mécanique de gameplay vraiment plaisante à jouer. Et ça me fait vraiment kiffer. Voilà. N'hésitez pas vous aussi à me le dire dans l'espace commentaire si vous kiffez cette carte tout simplement. Déjà si vous l'avez, ou si vous êtes fait shaft au Legends Festival. Je tiens tout de même à vous le rappeler, le Legends Festival arrive au mois de novembre. Donc préparez vos cristaux. Il risque d'y avoir du lourd. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. On se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.